y a une information qui vient de comme la vie soir. Il paraîtrait que John Numbi a coupé dans Zambie. Il paraîtrait que moi n'a mouka John, le général John Numbi, au Jésus qu'on l'a joué, a coupé dans Zambie. Par rapport à ces dossiers Golovani. Bon, par rapport à cette information, je vais te dire en haut. Comme tu parles toujours de la justice, ce qui a coupé, est-ce que il y a des gens qui ont assassiné pour qu'ils révèlent l'information en justice. Tout a été fait parce qu'ils ont été mais c'est le journaliste dans la politique. Tant que vous commis un témoin gênant, vous allez exécuter. C'est ça la politique. Vous allez exécuter pour effacer ma trace. John, nous avons choisi une pièce maîtresse. Il y a un crime qui est là. Alors, ceux qui ont été confiés, en tout cas, il faut être liwana malamu. Il peut être aussi. Bah au mieux pour effacer ma trace et ça la rappelle en politique, non? Vous comprenez? Moi je ne pense pas que John Numbi, abandonne au salaire de crime ou à la propre volonté naïe. Je ne pense pas. Vous comprenez? Alors c'est à lui maintenant. Bon, tu as qui impliqué dans Biloko Wana, il y a quoi qui s'habille sur vérité, qui était commandité dans le crime avant de commettre et ça qui au profit de qui? Pour tuer le peuple congolais. Mais cette information. Mais s'il s'avérait qu'il a coupé à solo, moi je pense que ça lui fuit en avant. Parce que John Numbi, je pense, avec tous les dossiers, ils ont pesé Syrie à Robi dans la justice. Sauf à Katele Moukie, c'est presque 20 ans. Vous comprenez? Par rapport à un crime qu'il a commis dans Mboka Oui. Il a vache dans Bangote. Vous comprenez? Il a tué beaucoup de Congolais. Des preuves sont là. Plus de 500 photos. Tous ces gens vont porter disparus. Et puis, il y a un John Numbi. Il faut aller à Bissau. Devant la justice, Batouana, Bafoto, Anezaki, Nini. Il va nous le dire. Alors moi je pense que nous nous réservons un peu à reconfirmer l'information. Mais s'il s'avérait qu'à Koufi, moi je pense qu'il fuit en avant. Parce qu'il a compris que vive à charge aux pesées syriens, n'a pas crime à commettre, à Robi dans la justice. Il y a une information qui vient de comme la vie soir. Il paraîtrait que John Numbi a Koufi dans Zambie. Il paraîtrait que moi, Namouka John, le général John Numbi, au Jésus qu'on l'a joué, a Koufi dans Zambie. Par rapport à ces dossiers Golovani. Bon, par rapport à cette information, je vais te dire en haut. Comme tu parles toujours de la justice, ce qui a coupé, est-ce que il y a des gens qui ont été assassinés pour qu'ils révèlent l'information en justice. Tout a été fait parce qu'ils ont été mais c'est le journaliste dans la politique. Tant que vous commis un témoin gênant, vous allez exécuter. C'est ça la politique. Vous allez exécuter pour effacer ma trace. John, nous avons choisi une pièce maîtresse. Il y a un crime qui est là. Alors, ceux qui l'ont confié, en tout cas, il faut être liwana malamu. Il peut être aussi, au mieux pour effacer ma trace. Et ça la rappelle en politique, non? Vous comprenez? Moi, je ne pense pas que John Numbi, abandonne au salaire de crime ou à la propre volonté. Naïe. Je ne pense pas. Vous comprenez? Alors, c'est à lui maintenant. Bon, tu as qui impliqué dans Biloko Wana, il y a quoi qui s'habille sur vérité, qui était commandité dans le crime avant de commettre. Et ça qui au profit de qui? Pour tuer le peuple congolais. Soyez les bienvenus, nos très chers fidèles amis internautes. C'est Batignon Soubazouli Bakouma Lam de nous suivre. De partout, partout, vraiment, à Katakwa Moukili Moubien Batignon Soubazouli Bakouma Lam de Nabiso. Toujours dans le magazine Yoka Base, dans la chaîne Bolinga Ming, la voix s'appelle Vini Bia TV. Place Nid de Beta Mansouna Baïmoka. Par rapport à l'actualité politique, j'ai le plaisir de recevoir pour vous le président Marcel Nani Tobeta Massolo. Par rapport à l'actualité politique, nous avons un mot, on a choisi le Katamok. Beaucoup de découvrir dans la émission Yoka Base, place Nid de Beta Massolo. Avant d'appeler ça, ma loi, laissez-moi remercier Batignon. Nous sommes tous les membres de la Kabiso, avec vos moyens. Nous sommes tous les la voix céleste, magazine Yoka Base. RK Kabelo, RK Kabelo, sur la grande maison, il y a un Kabelo, il y a un Awa. Yo maman, yo papa, les Kabelo, en gros, quand tu contact avec la maison RK Kabelo, celle qu'on a engagé à Chinois partout dans le monde pour battre la Kabelo. Merci à la grande dame Darla, moi, Sinzambé, moi, Sibos, parce que vous allez rendre ma main encore très belle, merci, parce que vous allez la moussala qui t'a dit qu'on a dit joyeux anniversaire à toi, Jonathan Yala. Les Saoudiens, les boss, Talima Sananga Mokobalobi, Zamba la Pamoula, battre là toujours, je l'attaille là, les boss, Mbongo c'est quoi, billet vert c'est quoi, le Babi Lilo Magamouda Kounda, tellement ma casse. Est-ce qu'à moi, si ma caméra font la chambre, peut-être que nous sommes là, Nangaï, mon invité Nangaï, le président Marcel Nani Tobeta Massolo, restez vraiment branchés, papa, maman, parce que vous découvrez, vous avez un peu d'image, oh, et Batama qui est malé en poisson, par rapport à la perquisition. Il y a John Numbi, il y a John Numbi, il y a un dossier tel, mais il
pour décortiquer cette émission. Mais c'est mal, bah, moi, témoin d'amour. Moi, témoin, c'est les journalistes. Et moi, j'entends pas. Nous sommes dans ce net moment à la Voix Céleste. Je salue, bah, téléspectateurs, nous sommes sur la Voix Céleste. Et voilà, on a mis sur les lots, on a décryptage à les lots, bah, on s'est pelé là, bah, on a information où il y a, bah, qui n'a noté. Voilà. Par rapport à perquisition, Ndako, John Numbi, bah, mon tellement bah, dossier tellement belé belé oh, oh, aujourd'hui fait couler beaucoup d'encre. Bah, mon dossier par rapport à Loua et à Mouzé, est-ce que vous pensez vraiment que le dossier on est fan de Kalikola, mais ça n'a vu que c'est un ancien président Mouzé Koufi, dont John Numbi a joué un rôle par rapport à l'assassinat de mon amour Laurent Désiré Kabila? En tout cas, mais c'est les journalistes, tous ceux qui sont surpris. N'a perquisé cela qui n'a John Numbi. En tout cas, est révélé ma rambo belé. De Elingo l'axa que John Numbi a sa qui pièce maîtresse. Il y a sale besoin, il y a régime passé. On a vu entre autres le dossier à ancien président Abissou Koufaki. À mon humble avis, il y a de la vérité à Mouzé et à Liwa et à Mouzéti. Moi, je pense que c'est l'occasion maintenant à la justice à se saisir dans ma rambo Oyo par rapport à Bloko Tomouni, pas John Numbi. Bah, mais qu'un peu qu'on fonde encore enquête concernant Liwa et chef de l'État Nabiso, Mouzé Kabila. Je pense que John Numbi avait joué un rôle prépondérant dans Liwa, dans la Mounion, sur Oleg Namboka Nabiso. L'air est venu maintenant que les choses soient mises au clair. Toye, bah, Mouzé Akoufaki Ndengenini. Moi, je pense que c'est ça, monsieur le journaliste. Si tu dis que John Numbi a joué une pièce maîtresse dans la loi à mon amour, Laurent Désiré Kabila, c'est que le humanitaire est là. Bien sûr, moi je pense que la disparition de Mouzé Kabila est le peuple congolais qui est là, dans la confusion de Mouzé. Tu es le vrai assassin de Mouzé. Or, ce sont les innocents qui sont incarcérés dans la prison pendant plus de 19 ans. Entre autres, mon amour, le colonel Eddy Kapen et sa compagnie. Moi je pense que bah, vrai tueur, bah, vrai assassin à Mouzé, Baza Libanda. Lelo avec bah, Biloko Otomoni au niveau de John Numbi, je pense que John Numbi a la mieux placé. Ce qui justice est traqué, je crois, a eu la vérité belé au Italie Liwaya à notre ancien président Laurent Désiré Kabila. Voilà. John Numbi, perquisition, tellement bien d'accueil. Tout le monde a photo à mon amoka. L'ex garde corps à Kabila Pé, Eric Lengue, le monde est mis sur la carte. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que le monde est là? Le fauteuil est là, mais il y a John Numbi parce qu'il y a qui est. Tout le monde est là, mais il y a un peu de temps. Il y a un long à l'âge par rapport à l'image de tout le monde qui est là. Ex garde corps à Kabila. En tout cas, mais c'est les journalistes qui sont surpris. Tout le monde est là, Eric Lengue est en exil en Angola. Parce qu'à qui m'a qui, mais à notre grande surprise, tu es qu'on comprend que Eric Lengue a été tué. Bah faute mon ami, bah kata matoi, bah kata nini. Donc tout ça, donc j'ai compris que John Numbi a sali pièce maîtresse. Il y a bah assassinat et belé salam na mboka oyo. Il a joué des rôles moko. Il y a premier plan pour na ko exécuter bah congolais. Vous comprenez entre Eric Lengue. À notre grande surprise, Eric Lengue, tout Congolais est biqué à son exil. Malheureusement, tu peux comprendre que non, il a été déjà tué. Tout le monde a photo Nandakuya, John Numbi. Donc moi, je pense que John Numbi a un danger permanent pour le peuple congolais. C'est vraiment un vrai sanguinaire. A mis trop de Congolais. On a vu ma photo. Et ça, je pense que ma photo a tout le monde qui wana, y compris nos combattants. Vous comprenez? Azali parmi Batou Oyo, Babomi ba combattant et bel il est fait John Numbi. Donc il doit répondre à ses actes. Et là, qui c'est que c'est un grand criminel Yamboka Oyo. Voilà pourquoi je comprends pourquoi l'un d'eux, à l'obaki autrefois, ce robot Simbi. Yuma, Barocha Moto Namboka. Voilà les autres moni yango. Na arsenal militaire Ebinandaka John Numbi, je vous dis que pendant que nos militaires qui sont au front, bah ça dans arsenal Wanati. Mais un seul individu, John Numbi, détient arsenal moro lourd. Vous comprenez? Il y a un armement, il y a Moka, Nandaku, il y a un général. Donc, à garder qui en haut, pour quelle finalité? Donc, moi, je comprends que John Numbi devait répondre à la justice. Aïe, Bissabiso, il y a une photo, il y a un Congolais.
plus de 500 photos à ba Congolais et s'est retrouvé dans Ndakou na Ekouma. Aïbi Sabiso, comment est-ce que Eric Lenge, où on croyait qu'il était en exil, il a été exécuté par John Numbi. Expliquez Biso, qui nani azali commanditaire ya liwa John ya Eric Lenge et d'autres compatriotes. Oh ya wobi nanda kunaye. Vous imaginez à kata John Numbi azana sous forme ya mort gumoro bonanda kunaye. Vous comprenez un peu ça? Donc c'est un message qui a été très dangereux pour la République. Moi je pense que la justice a sala Moussa naye. Alain de la Makambo au de près, Bayeba vraiment rôle Oyo, John Numbi a joué dans Mboka Oyo pour exécuter les Congolais. Vous comprenez? Moi je pense que justice Yango a saisi dans le dossier Oyo, a me rappelé d'établir moi vérité dans Makambo na John. Si John Numbi, est-ce que par rapport à son travail, tu penses que il travaillait pour aider les pays où John Numbi travaillait pour la Mamba instruction ya mukunzi na moi où il avait un maître. Tout ce qu'on a vu dans ma image. Voilà pourquoi tu condamnes les militaires africains par moment. Les militaires africains pensent qu'ils sont là au service d'un individu. Or, Bazan n'a pas un service à la République. Mais certains de nos généraux, Bazana qui sont au service de l'individu. C'est ça la conséquence. Maintenant, c'est John Numbi qui doit nous dire maintenant, nous sommes commanditaire. Il y a un maître qui est là, il y a un assassinat de Congolais. Il va nous dire ça au niveau de la justice. Parce que ce n'est pas normal. Un général, au commune, un criminel. Allez-y comprendre. Un commune criminel pour exécuter les Congolais. Vous comprenez? Moi je pense que John Numbi devait répondre à l'acte Oyo, Aïbi Sabiso, vérité ça l'a établi, Aïbi Sabiso, qui était le commanditaire, il y a tuerie nyo soana, on est bangombe. Ce n'est pas normal. De ce c'est bien. Voilà, Lelo maintenant éprouvé, noir sur blanc, c'est lui qui avait tué Chebea. Vous comprenez? Bakosa Gibiso, je m'excuse. Ancien porte-parole au gouvernement. Alors, il y a une bêtise par rapport à Liwa Chebeya. Lelo est rattrapé Bango. Azonga sous Lelo dans les médias a démenti Yango Mamalobaki. Vous comprenez? Et là, qui est que John Numbi, a sa qui pièce Moko maîtresse dans le régime passé. Vous comprenez? Vous avez la sale besoin. Il y a quoi exécuter le peuple congolais comme des vaches. Vous comprenez? Yango Moni Liwa Chebeya wana. Et ça déjà en cours, bah on la procès wana, bah vrai assassin à John Numbi, bah pardon à Chebeya, bah ça mis aux oreilles, bah au nombre de toi, c'est à eux maintenant, bah ouais ça bise au, mais déjà ça saute aux yeux, avant même que procès fumama, il a combattu. Non, bah on bah exécuter qui lui wana bah zali, entre autres, ceux qui nani comment il s'appelle encore, Mutora bah bon bah tu connais, Kasongo, oh bah juste dans le Lubumbashi wana, il fut parmi bah garde de corps à John Numbi. Vous comprendrez, il est la troisième au Kanga parmi Bassassé à John Numbi. Vous comprenez, Bassassé, pardon, à Chebeya. C'est à lui maintenant, à eux, pardon, ils sont au nombre de trois. Baby Sabiso, Nani, Atinaki Bango, va exécuter Chebeya. Moi, je pense qu'il regarde toujours John Numbi. Mais à son tour maintenant, c'est lui qui devait maintenant éclairer la justice. Ordre Wana, il y a quoi exécuter Chebeya, à ce qu'il n'y a pas, il y a Nani. Voilà comment justice est fonctionné. Jusqu'à ce qu'il n'y a pas atteindre commanditaire, il y a plan Wana. Il paraîtrait qu'il y a eu rencontre entre Kalev et John Numbi, Nakingakati. Est-ce que vous pensez que Nakingakati, c'est juste pour voir l'ex-président de la République? Où il y avait quand même, bon, où Kabila n'est pas été montré si manabango. Bon, moi je pense que par rapport à la rencontre Wana, bon, je me réserve un peu à Koulouba, à Kocha commenter là-dessus, parce que les vraies raisons ne sont pas encore connues. Parce que vous êtes un analyste. C'est ce que j'ai dit. Pour avoir des éclaircissements par rapport à cette rencontre. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais par rapport à mes analyses, John Numbi na Kalef, Bazaki, deux pièces maîtresses, il y a régime passé. Vous comprenez? Deux pièces maîtresses. Bah, on est que je vais rôle moko à premier plan dans le régime passé. Voilà pourquoi peut-être bah, s'est retrouvé, bah, Monique Lelo, Makamna Bangonyo, ce bandeau que ça a repassé, et bandeau que ma polele. Moi je pense que le jour où John Numbi, na Kalef, bah, on est dans la justice, tu vas me bêler le canamboka oui. Je suis un peu plus belé, je suis un formation belé, je suis un peu plus régime passé. Les deux personnalités sont en train John Numbi na Kalev. Ils sont pour beaucoup. Je suis un peu plus belé, je suis un peu plus belé.
Vous comprenez? Moi, je pense que justice face à la Moussa Nayango a établi la responsabilité à Moutou Namoutou par rapport à l'acte qui a posé qui. Vous comprenez? Par rapport à la tuerie, par rapport à l'enlèvement, par rapport à la crime ou à la cométa qui contre le peuple congolais. Voilà. Il y a une information qui vient de nous donner comme la vie. Il paraîtrait que John Numbi a coupé dans Zambie. Il paraîtrait que moi, dans mon cas, John, le général John Numbi, au justice qu'on l'a dit, a coupé dans Zambie. Par rapport à ces dossiers, Goulouani. Bon, par rapport à cette information, je suis en haut, mais je ne saurais pas affirmer cette information. Mais s'il s'avérait qu'à Koufi à Solo, moi je pense que ça lui fuit en avant. Parce que John Numbi, je pense, avec tous les dossiers, ils ont pesé Syrien à Robig en justice. Sauf à Katele Moukie, c'est presque 20 ans. Vous comprenez? Par rapport à crime qu'il a commettre dans Moka Oui. Il a vache dans Bangote. Vous comprenez? Il a tué beaucoup de Congolais. Des preuves sont là. Plus de 500 photos. Tous ces gens vont porter disparu. Et puis, il y a un John Numbi. Il faut aller à Bissau. Devant justice, Batouana, ba photo, on est à Nini. Il va nous le dire. Alors, moi, je pense que nous nous réservons un peu à reconfirmer l'information. Mais s'il s'avérait qu'à Koufi, moi, je pense qu'il fuit en avant. Parce qu'il a compris que, vu la charge de peser Syrie, dans le crime ou à Kometa, à Robi, la justice. Comme tu parles toujours de la justice, ce qui a Koufi, est-ce que. Il y a des gens qui ont été assassinés pour qu'ils révèlent l'information en justice. Toi, tu as dit parce qu'ils ont été. Mais c'est le journaliste dans la politique. Tant que vous commis témoin gênant, vous allez exécuter. C'est ça la politique. Vous allez exécuter pour effacer ma trace. John Numbi n'a pas une pièce maîtresse. Il y a un crime qui est là. Alors, ceux qui le loi Koufi, en tout cas, il faut la Liwana Malamu. Il peut être aussi. Vous allez effacer ma trace. Et ça le rappelle la politique, non? Vous comprenez? Moi, je ne pense pas que John Numbi. Moi, je ne pense pas que John Numbi abandonne au salaire de crime ou à la propre volonté. Je ne pense pas. Vous comprenez? Alors c'est à lui maintenant. Qui impliqué dans Biloko Wana, il y a quoi sa vérité qui était commandité dans le crime avant de commettre. Et ça qui au profit de qui? Pour tuer le peuple congolais. Donc moi je pense que c'est ça. Voilà, mon amour, quand toujours continue une émission Nabiso. Parce que les partitions en quoi John Numbi. Yo mon lobby abonné par Sénal, abonné par bénition de guerre. Peuple congolais va autour. Est-ce que quand il y aura aussi la perquisition à Kinakati, est-ce que Kinakati, beaucoup d'appels, oh, beaucoup de coups, non? Toi, Kinakati, aujourd'hui, il y a un normal, bah, ça, là, visite normal, là-bas, il y a pas des choses, peut-être, il y a ma bénie, tout le monde n'est pas John Numbi. Mon cher ami, au regard, il y a ma cambo, tout le monde, il y a un John Numbi, en tout cas, pour nous qu'on s'est méfié, n'a pas ex-dignitaire, non, sur le régime passé. À mon humble avis, nous demanderons, n'a pas service, n'a pas quitter la bande, n'a pas un les anciens généraux, les anciens dignitaires, bam mais la fouille systématique. Parce que déjà, au regard, il y a Malobo et le Mama Kala, par l'un d'eux. Vous comprenez qu'il va paralyser Mboka Oyo. Parce que déjà, il y avait quelque chose qui s'est préparé en coulisses. Yango et Monani, à travers perquisition et Salami, Nandakou John Numbi. C'est qu'il y a encore d'autres caches d'armes. Nabandakou Nabango. Il faut maintenant les services d'intelligence. Bah quitter Nabandakou Nabango. Au besoin, même si Nakingakati. Bah ça la fumeur systématique. Parce que le pays est à danger. Pour ce tali Arsenal et Nandakou John Numbi, moi je me demande, il faut qu'on ravitaille, il faut qu'on tenir guerre na Kini Awa pendant tout un mois. Lobby? Mindou et Nandakou John Numbi. Il faut qu'on suffire na guerre pendant un mois dans la capitale Awa. Oh, imaginez, à lui seul. Mais bah, il était un général, c'est normal, il peut voir tout ça chez lui à la maison. Non. L'armement, il y a armée, et là, il y a la logistique, il y a armée. Il n'est pas chargé à logistique, il y a armée, Nabissou. Il n'est pas chargé. Il était un simple inspecteur général, il y a FARDC. Vous comprenez? Comment un individu, au cause d'un arsenal, il y a beaucoup d'endakounayo. Tu préparais quoi? Voilà pourquoi il avait dit à Lubumbashi, je ne suis pas un agneau. Vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est caché derrière ma parole dans le Bakiwana? Voilà maintenant la réponse, c'est ça. Elle était confiant. Namindou Kassayonandakou, il pouvait faire tout à tout moment. Et heureusement, le service de l'intelligence, Salim Moussala comme il se doit, va récupérer Arsenal Ouana. Maintenant, ça demande maintenant, dans le service, Nabiso, va quitter les sous Nabandakou au Batikali. Parce que je suis sûr que Nabandakou Moussou et Zali et Bélé, que même la John Mumbiwa. Mais pourquoi? Au besoin, mais qu'il y a quelqu'un qui va fouiller en haut. Faut fouiller en haut. C'est un site touristique pour l'instant, non? Non, papa. Et c'est un site touristique par rapport à sur la forme aux hommes en haut. Mais la fonte, éviter ce qui se passe là-bas.
tu évites. Alors, tu stormes que c'est méfait dans ex-dignitaire Union Swamboka. Ça va danger permanent pour la République. Vous comprenez, tous ont la légèreté. Ma camouette est habillée maintenant. Que nos services, basa la moussala wana, il y a aussi la perquisition de bandaga ancien militaire, non soit ancien régime. Vous comprenez? Parce que moi je comprends qu'il y a des caches d'armes partout. Parce que bandaga préparait quelque chose. Il y a un bandaga mon abandon avec arrogance. Son ballon avec arrogance. Vous comprenez? Parce qu'il savait quelque chose. Au bandaga préparé. Vous comprenez? Il y a un bimi maintenant. John Numbasali, exemple à Liboso. Et le reste maintenant, il faut servir Nabiso Salamoussalawana. De maintenant. Vous comprenez? Parce que les dangers qu'on guette Biso maintenant. Lorsqu'on parle de l'ancien régime, on voit Kabila à la tête du pays parce qu'il n'a pas dirigé Mboka. John Numbasali, généraux. Par rapport à toutes ces accusations, par rapport à maintenant sur les gars Mboko, est-ce que vous pensez vraiment qu'il est le CPI pour qu'il colle la Kabila par rapport à. Moi je pense que ce qui va preuve et ça vraiment avéré que c'est lui qui était commanditaire, mais il sera poursuivi. Il y a un moment où on a besoin tout kanga ba au bandeau qu'on exécute yango. C'est allé à eux maintenant ba remonter ba filière ba le ba que tout ordre pas à Mutukingani. C'est comme ça que la justice fonctionne. Vous comprenez? Parce que on ne peut pas arrêter quelqu'un sur base à barimère. La justice fonctionne avec les preuves. Vous comprenez? Dès lors que John Numbi sera arrêté, c'est à lui maintenant. Il y a quand même sa justice que non, j'ai recevé des ordres et pas Mutukingani. Maintenant, il va remonter filière. C'est comme ça la justice. Mais vous parlez toujours de la diplomatie. Mais quel jour la diplomatie dans le cannabis par rapport à la crime à la crime? Quel est le rôle de la diplomatie qui n'est pas le rôle de la diplomatie par rapport à la crime à la Moutou soit qui nimbo, soit qu'on a poursuivi dans nous. Diplomatie, c'est le gros salaté. Soit qu'on a poursuivi. C'est ce que j'ai dit. Net la ministre, par exemple, John Numbi a poursuivi. Ce qui va reconnaître effectivement ça dans tel pays, les pays par rapport à la relation bilatérale entre les deux pays, et il y a un seul. Ba extrader John Numbi, à son nombre, quoi, parfois, ba cri, ba grief, ou ils ont pesé contre lui. Et ça, la maca, sur le plan aussi politique, diplomatique, et au salama. Vous comprenez? Mais pour le moment, nous avons mis la phase de Wanati. C'est d'autres informations, et ce que John Numbi a Namboka. Monsieur Lobaki a Nazambi, précision comme telle est banité. Vous comprenez? Monsieur Lobaki a Zimbabwe. Vous comprenez? Place fixe, ça allait jouer banati. Mais ce qui s'avérait que Azali va détecter qu'Azali telle place, les pays, à travers la diplomatie entre les deux États, et que Senga va extrader à Namboka pour la juger par rapport à la crise, la greffe Oyo, et se reposer sur lui. Il paraîtrait toujours, on met toujours conditionnel, un garde de John Numbi, ils étaient aux arrêts, à l'objet Aboma Eric Lengiwana, sur ordre à Kabila, na Olive. Par rapport à nous sur le dossier, on a Kakabatumoko. Est-ce que tu penses que ce sont des informations vraies ou la justice a quoi l'amener là? Comment tu peux analyser ça? Mais il y a que l'ancien régime est allé caractériser dans le crime. Vous comprenez? Vous comprenez? Bon, par rapport à cette information, c'est pourquoi il y a que la justice fonctionne avec des preuves. Vous comprenez? D'emblée comme ça, on va statuer sur un problème T sans pour autant avoir des preuves. Alors, le vrai preuve, et c'est notre John Numbi, on reçoit à comparaître. Par rapport à l'allégation aux Ezali, la charge naïe par rapport à la garde du corps naïe, n'est pas établir maintenant la responsabilité à Yamoutou Namoutou. S'il a remonté filière, si réellement l'ex-président est impliqué, il sera arrêté. Vous comprenez? Mais on va statuer sur base à la rimerité. Vous comprenez? Parce que la question de Moussou, ça peut être un peu mensongère. Vous comprenez? Il faut maintenant les confronter. John Numbi sera confronté avec son garde de corps. Vous comprenez? Pour que la EPS agisse ici, possibilité à établir maintenant ma responsabilité. Ce que ça, ma responsabilité, ça établit que John Numbi, Relmazaki, Mobomi, Bakotoune est maintenant. Qui était le commanditaire? C'est maintenant qu'il a remonté ma filière. Si maintenant l'ex-président est impliqué, il sera arrêté. Il est qui devant la justice? Toujours la justice. Ça fait 4 mois que je suis devenu prisonnier. Ça fait 4 mois que je suis commis prisonnier, il se sent quand même prisonnier par rapport à ses propos. Est-ce que il y a déjà au bazo la naïe de manière légale et il y a déjà au bazo le gaba kangaye par rapport à tout ça, il se sent mal à l'aise. Azali Banda, mais il se sent comme celui-là en prison par rapport à Nkolo Bani. Voilà, ils ont un faux fuyant, mais ils sont journalistes. Et quand ils sont politiciens congolais,
les politiciens congolais, même si on va commettre infraction, même il y a droit commun, si on va poursuivre, il y a commis un politique. Et c'est le problème. Ma tata a été cité dans le détournement, il y a un million de dollars dans le dossier Bukangalonzo. Ok, il a été dans la Guinée. Lui-même, ma tata en pôle, il n'a pas qu'à affronter justice. Maintenant, a commis Awa, a remis qui ma justice. Non, Batika va vendre Rwanda. Terre va vendre la révolte. Ma tata est poursuivi pour un dossier à détournement. Ah, c'est au cours de ma politique qui n'a qu'à dire. Vous comprenez? Lorsqu'il détournait l'argent, et ça qui m'a l'âme. Donc maintenant, comment poursuivre comme dossier? Si tu es innocent, quel est agir, affronter justice, présenter ma moyen à la défense. Si tu es innocent, tu vas quitter. Yo. Mais ce n'est pas quoi affronter justice pour Annie. La manière que les justices poursuivent, ce ne sont pas de manière légale. Parce qu'on a dit manière illégale. Je pense que nos juges, ça va respectueux. Vous comprenez, hein? Il y a procédure. Vous comprenez, justice avec Kangamutu et banano par accord de leur convocation. Vous comprenez, tant qu'on répond à la convocation, tu ou trois convocations, bah nous avons mandat de comparution. Tant qu'on y était, bah on m'a échelon. Tous les procédures qui ont été épuisées pour la mandat d'apôtre, bah nous avons mandat de comparution à Boi. Maintenant mandat d'arrêt. Vous comprenez? Alors matin, tu as commencé à faire fouiller ça à la télévision. Il y a qu'on répond à la justice. Tout le monde a un problème là, exacté. Ce qu'on a innocent, il sera acquitté. Moi, je pense qu'il avait crié tout haut. Je suis venu affronter la justice. Il avait dit ça. Mais maintenant, comme il a eu, comment tergiverser? Vous comprenez? Bati Kabavanti, voilà. Aujourd'hui, dans le Congo, la justice est devenue indépendante. S'il a raison, il sera acquitté. S'il est coupable, il sera en prison. C'est simple. Voilà, mon amour, quand nous continuons, tant que malé, monsieur, émission, on a dit ça. Les 15 ans, ils ont marché à la Mouka. Mais il paraîtrait qu'il y a une rencontre entre moi, Namoka, Joseph Kabila, et Martin Fayoulou, Nkati Kingakati. Est-ce que tu penses qu'ils ont appris à préparer la marche? Toi, ils ont préparé l'élection 2023, ils ont appris à préparer l'élection. Par rapport à cette rencontre, comment tu analyses ça? Pour Nangaï, marche Wana et le Blangé Lokoti, ils ont aventure. Tu es bien qui bango l'IDPS au pouvoir, opposition au Koufa. Vous comprenez? L'IDPS au pouvoir, opposition au Koufa. L'élo Fayoulou qui acquisait Félix, c'est Kabila qui dirigeait. Félix marionnette. Kabila c'est là qui démon. L'élo c'est la coalition à Kabila. Allez-y qu'on a politisé congolais. Vous comprenez? Moi je pense que marche Wana pour Nabiso et Zali coup d'épée dans l'eau. Vous comprenez? Je pense sauf le Zaki un vrai leader. Lui qui habite Gomi. Allez-y comprendre. Vous comprenez? Fallu wana to mana balaba te ni Kabila. Vous comprendrez? Pour nanga marche wana et le belo côté. Parce qu'on va marcher. Bon ça et le côté. Ba on leka awa 20 personnes awa. Muto mazati. Voilà, mon amoka. Ben nous on a bisu toujours malemi malemi ni mission na biso. Ba lobi mieve. Mieve Lioko. L'ex-président de l'Assemblée nationale là, s'appelle comment encore Janine Mabunda, qui est Mboso. Papa Moulière a dit mieux vaut Mboso, Bazongisa Janine Mabunda, qui est Mboso. Parce qu'aujourd'hui, Mboso prend des instructions dans mon conseil, au lieu de prendre des instructions dans quatre assemblées là, par rapport à y a Maloba, Papa Moulière, il y a bon, ils ont aussi justifié. Parce que Molière d'abord, il est du FCC. C'est normal à Luca, la dame Lazo en a nini. Est-ce que Molière est un politicien d'abord? Il y a un que Congo, il y a un aventurier. Vous prenez des gens immoraux. Beaucoup sont dans l'Assemblée nationale. Molière est un mboka oui. Vous comprenez? Alors, ceux qui sont dans la zone Aolinga, Mabunda, c'est clair. Il est du FCC. C'est clair, ça saute aux yeux. Mais moi, je pense qu'un député va proposer à Marc et Onati. Et là, c'est que Moussa la salle a été en route. Pourquoi est-ce assemblée on a été? Il y a Molière ou Anna. Il fallait que la mission ait été en route. Vous comprendrez? Bonjour, n'importe qui, beaucoup aussi l'assemblée. Bonjour, Bassafou, Banani. Tout le monde a été en route. Ils n'ont aucun projet pour ce pays. Ils vont débuter en route. Ils vont défendre maintenant. Soit ils vont défendre l'intérêt et la divinité. Vous comprenez? Allez, moi, Molière n'a contacté même politicien. Vous comprenez? Il y a un abyssio, ils ont accident à l'histoire de Mboka Nabiso. Que Moutabon a débuté dans Mboka. Ils ont accident à l'histoire de Mboka Nabiso. Tout ce qui a débuté dans le dernier Safou, Molière.
Ils allaient insister le peuple congolais. Maintenant, il faut interpeller le peuple congolais qui votait. Qu'on votait, vous ne pouvez pas aller à la télévision, la défendre à Babola, ou voter. Voilà maintenant la conséquence. Voilà. Tu vois ce qu'on a est de la République. Le lot, on a dit, tala, mais tout nous couvre, les soldats américains, qui va venir le bélé. Mais aujourd'hui, on ressent comme si un échec des soldats américains dans le Katia Est par rapport à l'état de siège. Qu'est-ce que tu peux expliquer? Il y a d'autres personnes qui ont besoin de. On ressent un échec total des soldats américains dans l'Est, dans le Katia moment état de siège. Ils ont un bateau basali animé dans le monde. Ba ennemi ya mboka oyo peut-être ba na comprendre enje ya guerre ya STT ya ngo ba oluba guerre ya est di guerre mo économique d'abord ba ba yeba ya ngoti so mo lo ba tona ba zo le la parce que ba su na possibilité au pays minera ko ngoti c'est ça la vraie vérité on ba député ba za impliqué na makamwana ba o s'acharner contre l'état de siège au monde tout ce qui se fait dans l'est c'est du sabotage. Parce que les ADF, bah, sont la possibilité de piller les minéraux Congo. C'est ça la vérité. Maintenant, leur maître bah, s'est retrouvé maintenant bloqué, mort aux alités, c'est ça la vraie vérité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant salir le gouvernement congolais. Commencer à tirer les paisibles citoyens pour salir le gouvernement. C'est ça la vérité. Parce que bah, échoué déjà sur le plan que bah, échoué. Bah, minéraux Congo est mal souhaité. C'est ça la vraie vérité. Maintenant, les députés, oh, bah, ça impliqué, bah, ça va carré minier, bah, se retrouver sous terre. Il ne faut pas te mettre des sièges, c'est normal. Et je ne dis pas, voter nos gâteaux dans mon oko. Il faut silica. Mais tu y es bi, guerre ou anégocila. Bah, comme la souka, bah, c'est ravitaillé, mais à sous terre. Comprends? Oh, bah, comment ça, bah, maintenant, Koulouna, oh, bah, comment ça, Koulouna. Bon, Vandi Boye, bon, qui s'il a Kingabwa, on m'a dit personne. Yébisanga, on m'a dit personne, bon, aujourd'hui, la revanche. Pour comprendre que Baluka va salir le gouvernement Nabiso. Pour Bala qui sera à la face du monde que l'état de siège est simité. Or, c'est une réussite total, je vous dis. Vous comprendrez hein? Parce que si le plan économique maintenant, Baza bloqué, minéral Congo se mal souhaité. C'est ça le vrai problème. Papa, apaisez-vous. Tu sais qu'il dit à l'axi bonne volonté, il y a qu'à aider Mboka Nabiso. Nos frères, ba koufi pendant 25 ans. Allez, bon, c'est ngaté, na 4 mois, va mettre fin à la guerre ouana. C'est une guerre qui a un intérêt économique. Vous comprenez? Alors, il y a des gens qui ont gagné un million. Bon, 4 ans, ils ont se laisser faire. Vous comprenez? Bah, on a patience, guerre ouana est aussi là. Les ADF ont bah, déjà mis en déroute. Na minute où ils ont opéré, ils ont mis en déroute. Vous comprenez? Ennemis à Congo, ils ont congolais beaucoup. Voilà. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Je vous ai tellement aimé pour l'Andabiso. On a toujours dans le magazine, on a toujours papa, maman, on a la jeunesse congolaise. On a la poste à Kinshasa, on a un investissement, on a aidé, on a la poste à 2023. Venez passer à côté de contact Nabiso, il y a des gens, la tête bien faite, ils seront là pour vous aider dans le cadre de la mort. Je vous remercie. Un dernier mot, par exemple, maintenant sur Balandio, numéro de téléphone, peut-être que la question est à tout, peut-être que la musique est à tout. Le dernier mot, c'est que le peuple congolais, va ça Félix Tshisekedi confiance. Il est le seul congolais à manifester volonté. Il y a été mis à Mboka Oyo. Mboka Oyo a été détruit pendant plus ou moins 60 ans. On était dans 3 ans par baguette magique Congo Téléma. Le mal était profond dans Mboka Oyo. Les Congo étaient dans les gouffres. Tshisekedi se bat maintenant avec les moyens qu'il a mis à Mboka Oyo dans gouffre et un effusque dans la surface. Vous comprenez? Topé ça étant. Tout ce qu'on a une mauvaise langue. Il y a un bateau basé en mal à positionnement, bateau opposition, parce que position est Koufa. Vous comprenez? Bah, il va vous proposer dans la Congolété. Il y a un moni, bah, il va saisir l'occasion pour chercher à salir le président. Le président a la volonté de détruire. Il va faire évoluer Mboka Oyo. Tu peux faire confiance. Tu es bien que Simba, d'ici là, je Simba. Donc, numéro 1, c'est plus 243 81 52 99 123. Plus 243 81 52 99 123. Merci na base Nengo ya Mibiso. Merci na yo pel la Chypriote, la Chypriote taille qui plan midi ta ko tali mo solo biwa mon mère boss na ki bon Dieu te garde là-bas makama besimba la Chypriote tali mo solo biwa. Merci na pel sponsor officiel TGV mo Sinzambe. Merci na être comme on est sima caméra de lobby. Bye bye. Beaucoup sur mon dans Assemblée nationale.
Molière a dit Namboka. Vous comprenez? Alors, ceux de la zone Aolinga, Mabunda, c'est clair. Il est du FCC. C'est clair, ça saute aux yeux. Mais moi, je pense qu'un député a été proposé à Marc Onati. Et là, c'est que Moussa la salle a été en route. Pourquoi il y a une assemblée Onati? Il y a Molière Ouana. Il fallait que la mission soit là. Vous comprenez? Bonjour, n'importe qui, beaucoup sont assemblés. Bonjour, Bassafou, Banani. Tout le monde est là pour moroté. Ils n'ont aucun projet pour ce pays. Ils vont débuter en Boka. Ils vont défendre maintenant. Ils vont défendre l'intérêt et l'individualité. Vous comprenez? Allez, moi, Molière, je n'ai contacté un politicien. Vous comprenez? Il y a un accident à l'histoire en Boka. Il y a un accident à l'histoire en Boka. Et ça, accident histoire, il y a un peu de tout ce qui est débuté, Daniel Safou, Molière. Et ça, il insiste le peuple congolais. Maintenant, il faut interpeller le peuple congolais qui votait. Quand votez, vous ne pouvez pas aller à la télévision, la défendre à Babola, ou voter. Voilà maintenant la conséquence de la voilà. C'est ce qu'on a est de la République. Le lot, tout le monde a dit, tout le monde a des soldats américains qui sont venus rebeller. Mais aujourd'hui, on ressent comme si un échec. Et bien, soldats américains dans Katia Est par rapport à l'état de siège, qu'est-ce que tu peux expliquer? Il y a d'autres personnes qui ont besoin de on ressent un échec total des soldats américains dans l'Est, dans Katia moment état de siège. Ils ont un bateau basali animé dans Moutema Mabé. Ba ennemi en Moka Oyo. Peut-être qu'on va comprendre l'enjeu de la guerre à l'Est. Il y a un bateau là. Guerre à l'Est, c'est une guerre économique d'abord. Parce que tu vas y ce monde là parce que bas une possibilité de payer Mira Congo. C'est ça la vraie vérité. On est député au bazar impliqué. Namakamouana va s'acharner contre l'état de siège. Au monde, tout ce qui s'est fait dans l'Est, c'est du sabotage. Parce que les ADF bas une possibilité de payer Mira Congo. C'est ça la vérité. Maintenant leur maître bah s'est retrouvé maintenant remis bloqué mon exalté bah ceux qui m'ont demandé bah arrête parce que mon abango moi ben les bah minerais zaté c'est ça la vraie vérité. Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant salir le gouvernement congolais, commencer à tuer les paisibles citoyens pour salir le gouvernement. C'est ça la vérité, parce que bah échoué déjà sur le plan que bah échoué bah minerais congolais bien mal souhaité. C'est ça la vraie vérité. Maintenant les députés au bas sont impliqués bah ça va bah carré minier bah s'est retrouvé souhaité. Il faut pas te mettre des sièges, c'est normal. Et je ne vais pas voter mon gâteau dans mon nom. Il faut silica. Mais tu es bien, guerre ou anégocila. Par contre, la soukha, c'est ravitaille, mais ça a sauté. Vous comprenez? On va commencer à dire maintenant, Koulouna, on va commencer à dire Koulouna. Vous vendez, vous voyez, vous qui êtes là, vous avez 10 personnes. Il y a des gens qui ont 10 personnes, vous avez la revanche. Pour comprendre que, vous avez salir le gouvernement Nabisso. Pour parler qui sera à la face du monde que état de siège est simulé. Or, ils allaient réussir mon total, je vous dis. Vous comprenez hein? Parce que si le plan économique maintenant, bas bloqué, minéral Congo se bimale souhaité. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème. Papa, apaisez-vous. Tshisekedi a la si bonne volonté, il a aidé Mbo Kanabiso. Nos frères, bah couché pendant 25 ans. Allez, bon, c'est ngaté, na 4 mois, va mettre fin à la guerre ouana. C'est une guerre qui a un intérêt économique. Vous comprenez? Alors, il y a des gens qui ont gagné un million. Pour 4 millions, ils ont se laissé faire. Vous comprenez? Parce qu'on a patience, guerre ou aussi là. Les ADF ont déjà mis en déroute. Dans la minute où ils ont opéré, ils ont mis en déroute. Vous comprenez? Ennemi à Congo, ils ont congolais beaucoup. Voilà. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Nous avons tellement aimé pour l'Andabiso. Na toujours dans le magazine, il y a base, na ba toujours papa, maman, il y a la jeunesse congolaise. Vous avez la possibilité de Kinshasa, vous avez investissement, vous avez aidé, vous avez aidé, vous avez aidé, vous avez aidé, venez passer à côté contact Nabi Soya, les gens, la tête bien faite, ils seront là pour vous aider dans le cas de Nabi Soya. Je vous remercie, je vous remercie, un dernier mot, par exemple, je vous remercie, il m'a téléphoné, il m'a question à tout niveau, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a. Les derniers mots que nous avons peuple congolais, Bappé ça, Félix Tshisekedi, confiance. Il est le seul congolais à manifester volonté. Il a été détruit pendant Mboka Oyo a été détruit pendant plus ou moins 60 ans. On était dans 3 ans par baguette magique Congo tellement. Le mal était profond dans Mboka Oyo. Les Congo étaient dans les gouffres. Tshisekedi se bat maintenant avec les moyens qu'il a mis Mboka Oyo dans le gouffre et un effusque dans la surface.
Vous comprenez? Tout ça étant, tout ce qu'on a mauvaise langue, il y a bateau basé en mal positionnement, bateau opposition, parce que position est coupable. Vous comprenez? Bah, il va proposer dans la congolité. Il y a un moni, bazo saisir ba occasion mon amiqué pour chercher à salir le président. Le président a la volonté à détruire yaro faire évoluer Mboka. Oh, tu peux c'est confiance. Tu es bien que maramé ko Simba d'ici la maramé ko Simba. Donc numéro on a ngezali plus 243 81 52 99 123. Plus 243 81 52 99 123. Merci na base nembo ya mibiso. Merci na yo pel la chypriote tak qui pla médita ko tali mo solo biwa ma mère boss na ki bon Dieu te garde là-bas makamabe simba la chypriote tali mo solo biwa. Merci na pe sponsor officiel TGV mo sinzambe. Merci na être comme on est sima caméra to lobi. Bye bye.